Bonjour à tous et à toutes, ici U120. Aujourd'hui, j'ai décidé de continuer d'ouvrir une célébration, mais pas avec n'importe quoi. J'ai acheté une boîte complète de tins, avec les 8 tins différents. C'est un article que j'avais pas dans ma collection de célébration, mais je suis content de les avoir maintenant. Je vous préviens. La vidéo va être séparée en deux parties parce que il y a quand même 8 tins, ça fait que ça fait proche de 36 boosters. Ben, 36 boosters. Si je fais 2, 4, 6, 8, 16 plus 8, ça fait 24. Il y a quand même 24 boosters dans la boîte. Fait que si je les sépare, ça fait 12 boosters. Fait que c'est correct. Fait que on va commencer l'ouverture avec la. Moi, je vais commencer par les dernières générations. La génération de Wistempo, Lamaleon, puis Scorbunny. C'est la dernière génération faite actuellement. Mon préféré dans cette génération-là, c'était Scorbunny. Mais j'avoue que l'Arméléon avait un peu de style avec sa dernière, mais on le savait pas tout de suite. Bon, ça rouvre pas. Même avec mon. J'aimerais éviter la graffiner. Bon. Vous l'ouvrez comme ça, bon. Fait qu'on part ça, l'ouverture. Fait que. Si on regarde en avant, en arrière. Je trouve que c'est un très beau produit, les tins. Ça. C'est des boîtes en métal, ça. Ça permet de faire du rangement. Fait que la coin. C'est la coin du 25e, mais en argent. Il en existe des gold pis tout. La mini-carte qui monte nos trois starters. Avec leur nom. Puis la fresque de tous les Pokémon. Fait que ça. Puis là-dedans, il y avait, comme je l'ai dit, il y a trois boosters par boîte. Fait qu'il y a un Darkness Ablaze puis deux célébrations. Fait qu'on va toujours commencer par le Darkness Ablaze. Fait qu'on va commencer tout de suite. Ça. Oh, ça commence mal. Les codes sont à l'envers. 2, 3, 4. On va dire une énergie de type feu. On a deviné l'énergie, mais on le sait qu'il n'y a pas de bonne carte dedans. Mais c'est pas grave. Fait que. Fletchinder. Pupitar. Zuelus. Electrike. Punsage. Skarmory, Starly, Torchic, Kling qui on va finir avec Flygon, un bon Pokémon. Malheureusement, il est pas lourd, il n'y a jamais eu de méga, mais moi je l'aime beaucoup ce Pokémon-là. Il est sous-côté. Pokémon l'a laissé de côté. Fait qu'on passe aux célébrations. Fait que. Ah, bon, on sait que c'est un Pikachu à la dernière. On peut la troisième. Fait que Cosmoem, Palkia, et on va finir avec Reshiram. À date, c'est pas super. Dernier booster de cette tin-là. À date, la génération de choix de Nechild a même pas beaucoup, faut croire. Fait qu'on commence encore avec un Cosmoem. Oh oh. Rocket Zapdos, ça c'est cool. Puis Zamazenta. Fait qu'on va finir le tennis avec ça. Le code. Fait qu'on va passer au prochain. Fait qu'on continue l'ouverture avec la 7ème génération. La génération avec Hautaquin, Fininfernal, puis Brindibou. C'est une. Ben. C'est la génération de Soleil et Lune, puis. A pas été vraiment dans le cœur de tout le monde, mais. Moi, je l'avais bien aimé comme génération, mais. Juste à Ultra Soleil, Ultra Lune. Bon, je vais tout le temps avoir de la misère à ouvrir ces tins-là. Putain! Fait que ça. On ouvre ça.
Fait qu'il y a encore la coin, mais je la montrerai pas tout le temps, c'est la même tout le temps. Fait que la belle carte. Litten puis Populio. Bon, je joue à Pokémon en français, mais les cartes sont en anglais, fait que ça me mélange un petit peu. Fait que. Oh, c'est pas bon signe quand il colle demain, il me semble. Bon. On commence par le Darkness Ablaze. Je ne ferai pas voir cette fois-ci. Faire que ça comme ça. 1, 2, 3, 4. On va se dire une énergie de type feu encore, j'y crois. C'est le coup de poing là. Fac, Solrock, Birdkeeper, Deaden, Electrike, Galarien, Monsieur Mime, Rockidi, qui aurait pu donner de ses patients, mais c'est pas grave. Tauros. Snowball, retour de Flygon en reverse, soit Cabri plus cette fois-ci, puis on finit avec Volcarona. Bon, on continue avec Célébration. Fait que ça, fait que gros dent. Oh oh. Pour la troisième carte, c'est Lugia. Et on finit avec encore un Pikachu. Qu'on va placer comme ça. Dernier booster du Tens de la 7ème génération. Fait comme ça. Fait Xerneas. Yveltal. Oh, une bonne carte. Professeur. Imposteur Professeur Oak. Je pense que je l'avais pas. Faudrait juste que j'aille vérifier. Mais il me semble que je l'ai pas celle-là. Puis on finit avec Solgaleo. C'est rien. Mais on a une vieille carte. Fait qu'on continue notre voyage avec les générations. Avec la 6ème génération. La génération Tunis. XY. C'est une génération que j'ai beaucoup aimée. C'est la première génération que j'ai décidé pas prendre le Pokémon de type feu. Parce que Fennec, c'est celui que je trouve que c'est pas mon préféré dans mon cœur. Allez, qu'est-ce que j'ai tout le temps dans la misère. C'est une génération que je tiens pas particulièrement le Pokémon de type feu dans mon cœur. Fennec, c'est pas mon préféré. Mais moi, j'ai pris Morrison. Continue même. Encore la Queen. Fait que la belle carte. Chespin en anglais. Bon. C'est Marisson en français. Fait que les boosters. Comme ça. Fait que c'est parti pour le Darkness Ablaze. J'espère pogner une bonne carte. Sans que j'ai entendu parler qu'il y avait un Dracaufeu et Rainbow là-dedans. Corlick, c'est toutes des vertes. 1, 2, 3, 4. Puis il m'a encore eu, Corlick. On dirait une énergie de type O. C'est l'herbe. Struggle Grove. Familiar Bell. Zuelus. Tauros. Snubbull. Mareep. Pinsir. Dino. Kotorita. Et on finit avec. Oh, ben, il y a une vie finalement. Je suis content. Grim Snarl V. On finit avec une belle note avec Darkness Ablaze. Fait qu'on passe aux célébrations. Le code. Reshiram. Kyogre. Pour la troisième carte, on a Cleffa. C'est une bonne carte. Je trouve qu'il fait tout cute. Le premier bébé Pokémon en carte. Puis on finit avec Flying Pikachu. Toujours pas le Mew Shiny. Peut-être dans celui-là. On ne sait pas. Ma recherche du Mew Shiny ne s'arrêtera jamais.
Ho-Ho, Cosmoem, et Lugia, puis on finit avec Mew Colic. Et on passe avec le dernier ten de la journée, le ten de la cinquième génération. Ça aussi, c'est, ben, je l'ai pris le Pokémon Feu dans cette génération-là, mais c'est la première fois que je préfère... J'aime beaucoup Moustillon, mais j'aime pas sa dernière Clamiral. Je trouve que je préfère Matelot, son avant-dernière, sa deuxième. Puis Grikui, c'est un Pokémon que j'ai pris. Vipillaire, c'est pas mon préféré. Disons qu'un serpent. Colic. Les serpents, ça m'intéresse pas beaucoup. Écoute. Je finis par toutes les ouvrir par force. Fait que. On ouvre ça. Si je suis capable. Fait qu'il y a encore la coin. Le bon carton. Puis les boosters. Pour les ouvrir. Les deux célébrations, puis le Darkness Ablaze. On ouvre tout de suite le Darkness Ablaze. Dernier Darkness Ablaze de la journée. Comme ça. Puis là, c'est à l'envers. Au moins, c'est une blanche. On va avoir une bonne carte. 1, 2, 3, 4. On tire une énergie de type feu pour Dracaufeu. C'est bon signe. Fait que le feu, Solrock, Relicant. Yenworn, Bonsweet, Snowball, Meltan, Bonelby, Paras, Tyranitar, puis on finit avec Salamence. Une belle V. Bonne note pour Darkness. Fait qu'on passe à la célébration. Code. Fait Cosmoem, Palkia, oui, Reshiram. Est-ce qu'on a Mew Gold? Non, ce serait trop beau. Fait dernier booster de la partie 1. Ça. Fait Oh. Lugia, est-ce qu'on a une carte subset? Malheureusement non. Puis on finit avec encore un Pikachu. Comme je l'ai fait avec la dernière vidéo avec les célébrations, je ne livrais pas toutes. Je te livrais juste ce que j'ai pas. Je pense que j'avais. Bon, j'ai mis une ici. Ça. Il y a trois cartes qu'on va se livrer. Premièrement, on va commencer par les Darkness Ablaze. Les deux cartes V, je les avais pas, parce que j'en ouvre pas tant souvent que ça. Fait qu'on va commencer avec le... Si je suis capable de le mettre dedans. Salamence. Drattaque en français. Un des dragons les plus cool. Ils sont tous cool, les dragons. On poursuit avec... Crimsnarl. C'est un Pokémon de type Feu Ténèbres, c'est vraiment intéressant en stratégie. Puis on finit avec la carte de célébration que je pense que j'ai pas. Attendez que j'ai vérifié. Je dirais que dans la prochaine vidéo si je l'avais pas. L'imposteur Professeur Oak. Elle vaut peut-être pas beaucoup, mais c'est vraiment une belle carte. Un beau replay. Fait ce qui va conclure la vidéo d'aujourd'hui, la partie 1. Fait que, on va reprendre la prochaine partie dans la prochaine vidéo. Fait que, abonnez-vous et bonne journée.